Alors, l'idée, en effet, de parler au départ d'un sujet qui est difficile, compliqué, qui n'est pas d'ailleurs ma spécialité, effectivement, évoquer la guerre, la vraie, hein, je crois que là, les mots ont leur importance. Il s'agit bien d'évoquer les risques de dérive géopolitique qui, aujourd'hui, menacent la planète, pourrait-on dire, et me concernant, puisque là, ce sera davantage ma spécialité, l'économie mondiale. Oui, je parle de la guerre au début pour mettre une sorte de toile de fond solennelle sur le contexte que nous connaissons aujourd'hui dans l'économie mondiale, dans un contexte que l'on pourrait qualifier parfois d'après-crise, ce qui est peut-être, et dans le livre j'y reviens à plusieurs reprises, un peu excessif, car nous sommes plutôt dans la suite, dans le déroulement d'une crise extrêmement complexe, d'une crise extrêmement importante qui s'apparente par bien des points à la crise des années 30 et qui, du reste, ce parallèle nous conduisant encore plus à évoquer le risque de dégradation géopolitique qui pourrait survenir à la suite de cette crise au départ économique. Donc l'idée vraiment fondamentale, c'est bien celle-là, c'est de dire aujourd'hui, nous sommes dans un contexte global, dans un contexte mondial, qui est un contexte extrêmement grave que la crise a créé, que la crise a amplifié et qui aujourd'hui pourrait effectivement déboucher sur une catastrophe ou sur plusieurs catastrophes. Ce que j'évoque très rapidement au départ dans un premier chapitre, c'est-à-dire pour représenter à quel point un scénario de ce type pourrait nous toucher, pourrait nous concerner, nous en Europe et en particulier en France, où cette notion de guerre très vite est quelque chose qui dérange tellement que finalement elle est devenue abstraite, alors que je le rappelle, nous sommes une génération incroyablement chanceuse, puisque nous n'avons jamais connu, nous n'avons pas cette idée de ce que pourrait représenter la guerre, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Toutes les générations avant les nôtres ont toujours eu des exemples réels de guerre affectant la France ou affectant d'une façon ou d'une autre sa population. Donc cette toile de fond que je veux au départ est bien une toile de fond qui n'est pas fondamentalement mon sujet ou ma spécialité, qui sera beaucoup plus la finance ou l'économie, mais qui est néanmoins aujourd'hui un contexte qu'il faut absolument prendre en compte. Alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, cette vision extrêmement forte et difficile et négative, qui est celle que je traite dans le premier chapitre, renvoie au dernier chapitre, qui est un chapitre d'optimisme ou en tout cas de vision positive, d'évolution fondamentale que doit connaître l'économie pour pouvoir continuer de se développer et pouvoir permettre à l'ensemble, on va dire, de la planète, et pas simplement des pays occidentaux, de croître dans une relative harmonie. Je crois que les deux chapitres se renvoient l'un à l'autre pour bien représenter à quel point cette notion de drame possible aujourd'hui doit nous conduire et doit absolument nous pousser à faire évoluer de manière fondamentale le système économique qui est le nôtre. Je crois que vraiment aujourd'hui, dans ce milieu d'année 2010, alors que la crise, il faut le rappeler, a commencé il y a bientôt 3 ans, hein, c'est-à-dire au mois de juillet 2007, dans ce contexte actuel, il est vraiment capital de représenter l'importance et l'urgence d'une évolution. Au fond, si nous devons tirer les premiers enseignements de ce qui se passe depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi, et tout particulièrement depuis le paroxysme de la crise, pourrait-on dire, qui était dans la fin de l'année 2008 et début de l'année 2009, eh bien finalement, on constate que la communauté internationale a su gérer l'urgence, a su enrayer des processus qui pouvaient être des processus extrêmement dangereux, mais elle renâcle, elle rechigne, ou peut-être d'ailleurs elle ne parvient pas à mettre en place les réformes fondamentales dont la structure économique mondiale a besoin. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il est absolument nécessaire de connaître une évolution de fond. Et cette évolution de fond, nous ne parvenons pas à la faire avancer suffisamment rapidement. D'où l'illusion aujourd'hui d'une reprise, ou en tout cas d'une amélioration. Je le disais tout à l'heure, on utilise parfois le terme probablement impropre de sortie de crise. Nous sommes dans un prolongement davantage des événements passés que réellement dans une rupture. Il est aujourd'hui fondamental d'envisager quelque chose de réellement nouveau. Donc ce contexte lourd, géopolitique, est celui qui doit permettre d'avancer et d'aller plus loin de ce point de vue. Alors, à partir de là, j'essaie dans le livre d'envisager, on va dire, 3 temps.
le premier temps de bien faire comprendre et de bien intégrer comment le risque de dégradation géopolitique peut se produire. Et là, je le regarde au sein d'un arc, on va dire, international, qui va d'Israël jusqu'à la Corée du Nord. C'est un arc quasiment continu, puisque là, dans toutes les zones successives géographiques, que donc on part d'Israël, Jordanie, l'Iran, bien entendu, l'Afghanistan, qui jouxte l'Iran, le Pakistan, l'Inde, la Chine et la Corée du Nord, sont toutes des zones aujourd'hui de très fort danger. Donc là, la première idée est de comprendre que nous avons à chaque fois des zones qui sont très fortement déstabilisées par les conditions économiques et en très grand danger. Ensuite, donc à partir de là, il y a urgence, et urgence signifie précisément qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et je reviens sur un certain nombre de modes de fonctionnement de la planète aujourd'hui qu'il faut à tout prix préserver. Nous n'avons pas le temps d'en inventer d'autres. Ils n'ont pas peut-être autant de défauts qu'on leur a voulu leur faire porter, notamment du fait de la crise. Je pense bien sûr à la mondialisation tout d'abord, au capitalisme ensuite, et même à la finance, pour terminer, qui ont été considérés comme les fauteurs de troubles, alors que j'essaie de démontrer sans cesse qu'ils ont été surtout des outils, bien avant d'être des éléments déterminants par eux-mêmes. Cela étant, il est absolument indispensable d'envisager aussi des évolutions fortes. Ces évolutions fortes, il faut les regarder très rapidement par rapport, on va dire, aux deux origines de difficultés que nous pouvons avoir, qui seraient tout d'abord le problème du modèle anglo-saxon, et en particulier américain, en disant donc aujourd'hui, il est très important que les États-Unis acceptent la responsabilité qui est la leur et acceptent les changements que cela peut induire en ce qui concerne leur mode de fonctionnement. J'évoque tout particulièrement la question de création de dettes par les États-Unis. Et je crois que là, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un des points qui est probablement l'un des points cruciaux par rapport à l'équilibre à court terme de l'économie mondiale. Et puis, dans un deuxième temps, l'autre grande puissance qui est en train de monter et qui est, elle aussi d'ailleurs, autant un facteur d'espoir qu'un facteur de très grand déséquilibre potentiel, qui est la Chine. La Chine doit entrer dans une perspective de transparence, comme l'ensemble de l'économie mondiale, de manière à pouvoir véritablement envisager un monde nouveau. Le dernier chapitre que j'évoquais tout à l'heure est donc celui qui incombe aux pays occidentaux, la responsabilité qui incombe aux pays occidentaux, c'est-à-dire le fait, pour que tout cela puisse réellement se mettre en place et ait réellement un sens, de pouvoir inventer un nouveau modèle économique. Ce nouvel modèle économique, il est technologiquement possible. C'est notamment un modèle provenant de la révolution numérique. Il est de toute façon indispensable, car la préoccupation économique croise ici de manière très forte la préoccupation climatique. Nous sommes donc aujourd'hui dans un cadre grave, dans un cadre sérieux, dans un cadre dans lequel on doit avoir conscience que des décisions doivent être prises. Et là, quand on dit « on », c'est autant les responsables politiques que les opinions publiques dans leur ensemble, et c'est la raison pour laquelle, je l'espère, ce livre est peut-être lu par tout le monde et pas uniquement par des spécialistes. Ces décisions qui doivent être prises, elles doivent permettre de sortir d'un risque de spirale qui indéniablement existe aujourd'hui.